On est d'accord, vous me voyez pas, je suis bien camouflé là. Je suis un arbre. Ouais, je suis un arbre, tout simplement. N'hésitez pas à noter sur 20 mon camouflage. Est-ce que je passe bien en tant qu'arbre sur Minecraft ? Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept probablement très intéressant. Aujourd'hui j'ai ajouté des super minerais à Minecraft. En fait chaque minerai existant de Minecraft a la chance d'avoir sa variante en mode super. Et en gros ces petits super minerais mais permettront de faire différents petits crafts qui seront probablement, bon vous connaissez la chanson, qui seront probablement cheat hein, bien sûr. Ouais nous on aime les concepts cheat. Et toi tu aimes les concepts cheat? Bah si tu aimes les concepts cheat, bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas mettre tout simplement un like dès maintenant sur cette vidéo. Parce que nous on aime bien atteindre les 15 000 likes bien sûr. Et aussi abonne-toi sinon je vais devenir un arbre sur Minecraft. Oui voilà, on go aux 300 000 abonnés bien sûr. Eh ben pour une fois j'ai probablement pas spawné à côté d'un village. Hein, de ce que je vois ici, attendez, je ne vois pas de village. Je suis... triste. Ok, je suis triste. Non, mais ok, pas de problème. Le jeu n'a tout simplement pas envie aujourd'hui de me faire apparaître à côté d'un village. Mais cette aventure va quand même bien se passer, ne vous inquiétez pas. De toute façon, notre mission va être d'aller au plus vite dans en cave pour trouver ces fameux super minerais, bordel. Donc je prends envie de faire un petit peu du bois, tout ce qu'il faut, un petit peu à l'extérieur. Et on va aller chercher ça. Hein. D'ailleurs, on va profiter qu'on est dans le marais pour prendre un petit peu des pommes. Parce que voilà, peut-être qu'on pourra crafter des trucs avec l'or qu'on va trouver. Le super or, peut-être, je ne sais pas. Ouais, le super or, c'est vraiment le gold, hein. Or, en anglais, ça veut dire aussi minerai. Bon, bref, on n'est pas en cours d'anglais, là. Non, mais les abonnés viennent pour passer du bon temps, etc. sur la chaîne, et là, on est juste en train de faire un cours d'anglais, c'est vraiment génial. Ok, on a 5 pommes, même une 6e ici, et on va pouvoir aller directement en grotte, je pense, hein, parce que là, au bout d'un moment, si on peut déjà trouver peut-être du charbon, essayer d'avoir du charbon, du super charbon, bah là, par exemple. Est-ce qu'on va pouvoir avoir du super charbon? En vrai, je sais plus combien de pourcentage de chance ce soit. Voilà, là, c'est un super minerai. On va les mettre de côté, de toute manière, on va commencer à un petit peu à les récolter parce que le craft avec le coal, donc il faut 9 super coal pour déjà pouvoir faire le premier craft de ces super minerais. Alors voyons voir, on en a 12, on va les mettre ici et voilà, par exemple on peut avoir directement 64 bouffes directement avec le super coal et donc en gros chaque minerai aura vraiment son identité et ses choses qu'il pourra faire. Voilà, maintenant tout de suite essayez dans les commentaires de deviner qu'est-ce que va faire chaque minerai du jeu et après vous répondrez à votre commentaire en disant ok bah j'avais peut-être faux. Voilà, c'est le petit jeu du jour, j'espère que ça vous amuse. Bref, en tout cas, je vais pas continuer à prendre du charbon parce que le charbon donc va nous servir que à avoir de la bouffe. Mais on en a déjà 64 et du coup, je pense que c'est largement suffisant pour entamer une aventure. Hein. Bonjour, monsieur le squelette. Non, mais barrez-vous par contre. Barrez-vous. Alors, on va éviter de mourir. Ah, super. Des petits minerais de fer. Par contre, barrez-vous. Ouais, super. Non, mais pourquoi c'est quoi toute cette populace, là? Voilà, explose, merci. Allez, meurs. Allez, non. Ok, je ne suis pas mort en ce début de vidéo. Allez, on va prendre nos premiers fers, peut-être, à voir, donc. Voilà, des super fers. On a eu un super fer directement. Trop fort. Donc, vous avez vu aussi, les minerais sont directement cuits, bien évidemment. Ça me paraît logique pour ce concept. On en a 4. Comment j'en ai qu'un seul en normal? Putain, j'ai eu de la chance. Bah, du coup, profitons-en. On va se faire, donc, directement une petite pioche avec ces super iron pour obtenir, bien sûr, une pioche enchantée fortune. 10, ok. Elle est pas mal, le côté fortune 10 est cool, mais il y a slick touch. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Du looting. Efficiency 10, slick touch. Bon, en vrai, on va la faire parce qu'elle va vraiment nous être utile là, en début de partie. Ça nous va nous permettre surtout de miner bien plus vite, donc on va mettre ça de côté, quoi qu'il arrive, et on va pouvoir avancer. Ah, il y en a plein, là. Il y en a plein. Nice, on prend tout. Pourquoi tant de haine, en fait? Pourquoi tant de haine, les meubles, hein? C'est quoi cette histoire? Non mais je me casse en fait. Genre je ne suis pas respecté dans ma propre vidéo quoi. Attendez, je vais faire une épée, ils vont moins faire les malins. Là vous allez voir. Bon par contre il faudrait avoir du sharpness hein. Ça serait vraiment très pratique avant qu'ils arrivent. Ils arrivent vite. Vite les minerais. Non. Ah mais c'est terrible. On va essayer d'avoir du sharpness. Oui voilà, bah voilà, ça c'est une épée. Fire aspect 10, sharpness 10. On n'en demande pas plus. Alors maintenant ils sont où les mobs? Ah ouais, je les attends maintenant. Vous allez voir qu'ils vont plus venir. Salut toi. Voilà, tiens, bien fait pour ta gueule. Ok, on va continuer d'en prendre un petit peu de toute façon. Voilà, le fer, on a déjà vu un petit peu son utilité. Ça nous fait des trucs cheat bien intéressants. Même déjà, voilà, de l'enchantement niveau 10, on est déjà content. Hop. Mais barrez-vous, mais ils sont trop nombreux. Ah, mais il y a un spawner. Tout s'explique. Avec des petites pommes d'or. Ok, pourquoi pas. Alors, essayons d'avoir du fortune 10. Parce qu'après, il y a certains minerais où ce serait bien. Voilà, là, on a du fortune 10. On a pas besoin de forcément avoir le reste qui est en lien avec la pioche. Et ça, c'est... Oh, protection 10 direct en one shot. Bah, écoutez, on prend, hein. On prend directement. Là, on a quoi? Du projectile protection, du Frostwalker. Pas très intéressant, le Frostwalker. Torns 10. En vrai, le Torns 10, je vais le prendre. Comme ça, au moins, ça va défoncer les mobs. On va directement descendre en couche 10... En couche 11, pardon, et ce sera mieux.
Mais du coup, la Redstone aussi a sa version en super. Voilà, là, on en a. On en a déjà 32, parce qu'en plus, on a fortune 10, donc vous imaginez bien. Tac, on va prendre tout ça. Et donc, la Redstone nous donne 3 potions aléatoires. Là, on peut avoir du strength. En vrai, le strength peut être très pratique. Ah, du lapis. Merde, j'ai pas fait avec... Mince. J'en ai combien? J'en ai que 4. Oh, du diamant, là. Je l'ai vu. Bah écoutez, on va le casser comme ça. Ok. Donc là, on a du fortune même sur le diamant classique. Et de plus, on aura le fortune sur les super minerais. Et du coup, là, on a déjà 59 super diamonds. Ok, c'est bon. On va jeter les autres. Nous, on veut que du super diamond. Hein. Genre, nous, on n'a pas le temps. Donc, on va se faire une pioche que j'espère être unbreaking. Ah ou niveau 50. Ok. Donc là, on a efficiency niveau 50. Mais on n'a pas de unbreaking dessus. Donc, ce qu'on veut, c'est quand même pouvoir miner un petit peu plus tranquillement. Ok, là, on a efficiency et unbreaking. Là, c'est parti. Parfait, ça c'est vraiment la pioche qu'on recherche. Il y a pas de souci, on prend merci, hop, ça on jette. Non, moi j'ai jeté les lapis, mais c'est pas grave, on va vite en retrouver de toute façon. Ben voilà, tout simplement. Et du coup là, avec le fortune 50, si voilà, on a un proc et du coup on en a directement. Ils sont où? Allô, messieurs? Ah mais on voit pas l'enchantement, d'accord, il est là. Ok, attendez. Hop, jetons le lapis lazuli normal et on va prendre du lapis lazuli, du super lapis lazuli bien sûr. Oh, là on en a beaucoup. Ah oui, d'accord. Ok, là c'est un autre game là. Là c'est un autre game. Qu'est-ce que va nous donner le super lapis? Oh, des flèches. Et du coup, c'est que des flèches à effet. Ouais, slow falling, etc. Donc ça peut être intéressant pour aller tuer le dragon. Alors je crois que le dragon ne prend pas les dégâts de flèches, par exemple, si ça a poison, etc. Il le prendra pas. Mais ça pourra nous être utile pour faire un bon stock de flèches pour aller faire le dragon. Donc je vais en garder quand même 64 dans un coin. Et on verra si on peut avoir un arc d'ici la fin de la vidéo. Alors en soi, ce qu'il faudrait maintenant, c'est aller peut-être dans le nether, avoir une bonne épée, avoir une bonne armure. Donc je vais essayer d'avoir une armure assez intéressante. Donc il faut forcément qu'elle ait. Voilà, là la protection est torse. Donc je vais prendre. Juste avoir surtout de la protection. Mais déjà rien que le torse, il est déjà trop fort. Voilà, là on a un bon stuff. Là on discute. Là voilà, là on sait qu'on est dans une vidéo cheat. Ah non mais là très clairement, voilà. Et maintenant il nous manque juste une bonne épée en diamant. Ok, là on discute. Sharpness niveau 50, Supping Gunge niveau 50 et un Breaking 50. Exactement ce qu'on recherche, parfait. Donc je vais me faire des super blocs of diamond. Ils vont me servir plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, j'ai pas tout ce qu'il faut pour m'en servir. Je pense qu'on va même continuer de miner un petit peu, histoire de trouver peut-être... il manque le gold, hein, qu'on n'a pas trouvé. Le gold qui serait pas mal à... Bah, voilà du gold. Avec le fortune de préférence. Tac, on n'a pas... Ah si, on a un proc quand même. Ah oui. Ah si, on a du proc en fait. Tout va bien. Donc le gold ingot, si je le mets de cette manière-là, avec une petite pomme classique de Minecraft, on a une Chantelle Golden Apple. Donc on va en profiter, on va se mettre bien, on est plutôt bien. Alors là, si c'était un UHC avec ça, franchement, comme je vous le dis souvent, si on arrive aux 20 000 pouces bleus sur cette vidéo, j'organise un UHC avec les super minerais. En vrai, ça peut être rigolo, ça va être sûrement très rapide comme game, mais pourquoi pas. Mais du coup, je vais, regardez, faire des blocs ici de super gold, je vais les mettre avec du diamant et on obtient des netherite ingots. Je vais me faire une smithing table et je pourrai passer donc mon stuff en netherite. Binding curse. Oh, il y a 2 binding curse. Oh, je suis dégoûté. Bon, après, est-ce qu'on a vraiment besoin, quand t'as du protection 50, d'avoir du stuff en netherite? C'est plus pour le beau jeu qu'autre chose. Hein. C'est juste pour flex, en fait. D'ailleurs, comme d'habitude, objectif Under Dragon, mais on va se faire aussi le Wither. Il faut quand même qu'on essaye de trouver de quoi faire une tête de Wither, donc peut-être avoir une épée looting. Est-ce que j'ai looting là-dessus? Je ne crois pas, hein. Voilà, il faudrait recrafter peut-être une épée pour essayer d'avoir du looting. Faisons le Wither en plus aujourd'hui, profitons-en, on a pas mal de stuff. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur endroit pour spawn ici. Hein. Alors, le quartz. On a direct du super quartz, et je vais pas avoir besoin de la table de craft, parce que le quartz, pour faire un bloc, il en faut 4. Et là, voilà, on peut avoir des super arcs, vraiment super puissants. Power 10, punch, je sais pas combien. Est-ce qu'on peut avoir plus que Power 10? Hein, j'ai l'impression que c'est le maximum Power 10. Donc on va essayer d'avoir un Power 10, voilà. Power 10 ici. De toute façon, on connaît la chanson maintenant. De toute façon, on a Infinity dessus ou pas? J'ai Infinity, donc voilà. Alors par contre, ce que je veux, c'est une épée looting. Alors, en diamant de préférence, vu que ça fera looting 50. Voilà, looting 50 ici. Vanishing Curse, etc. Bah, on prend, de toute façon, ça nous servira. Pour nos chers amis, bah, les Endermen aussi, en vrai, on va pas faire les trades avec, avec les Piglins. De toute façon, on en a pas besoin. Boum, meurt. Oh, non. Il est mort en me tirant dessus. C'était très rigolo. Bon, allons faire les Enderpearls en premier, vu qu'on est à côté. On refera un portail de toute façon du moment où on aura trouvé une forteresse. Mais surtout, il faut tuer aussi le Wither. Hop, ça va, mec? En fait, on arrive à un point où, bah, avec ces armures-là, j'ai plus rien à faire. Regardez, j'AFK et il meurt. Voilà. Viens, toi. Voilà.
Oh le looting. Hop là, on va de l'autre côté. Hop, je saute même avant. Hop là. Ça va ? Boum. Mais c'est trop bien. Oh le saut speed. Un plaisir. Ah, on va Naruto run. Aïe. Hop là. Oh, il y a une armée de... Ah, vous êtes pas content ? Vous êtes pas content ? Ça va ? Wesh. Ah bah, il y a une forteresse là. Ok, nickel. Mais il y a personne dans cette forteresse Ah, là. Ça va ? Ah oui, mais il y a pas sharpness... ouais, il y a pas beaucoup de sharpness dessus. Quoi ? Looting 50 et il a pas droppé une tête ? En vrai, c'est honteux. En vrai, c'est une honte. C'est une honte, le jeu. Ah. Avec le KB, c'est compliqué. Là, on en a combien ? 23. Ok, ça, c'est nickel. Me taper. Voilà, allez-y. Voilà, droppez vos têtes. De toute façon, la looting s'active vu que je l'ai dans la main. J'en ai deux, pourquoi pas. Ok, la dernière, elle est là. Nickel. Alors, du coup, maintenant, il faut trouver de la Soul Sand. On va se faire le... petit Wither ici. Oh là, il y a plein de mobs. Oh, il va être content. Il va s'amuser, le Wither. Parce que ce sera le seul truc qu'il pourra tuer. Vu que moi, bah, ça marchera pas. Allez, let's go. Eh oh, t'en vas pas. Target-moi. Viens ici. Oh, il lui a fallu pas mal de coups quand même. Elle est où la Nether Star? Eh, ma Nether Star. Oh, c'est honteux. Je l'ai eu sur moi. Ah, elle est là. Nice, la Nether Star. Je peux rien en faire. Est-ce que ça, c'est pas du speedrun? En vrai, on va vite, hein. Bon, allez, on est parti. Du coup, c'est par où là, hein? Fais voir. Par là-bas. Let's go. Mais barrez-vous, bordel. Barrez-vous. Ok, normalement c'est par là. Elle est partie où? Je crois qu'elle est descendue, hein. Ok, elle est là. Voilà, elle est ressortie de là. Oups, doucement par contre. Alors, c'est où? Ah, ok, on y est. C'est juste là. Alors, est-ce qu'on a besoin de vraiment lui faire des dégâts? Alors déjà, petit enchanted grenade apple parce qu'on se respecte. En vrai, je pense qu'on n'a pas besoin de casser les tours. Après, on n'a qu'un power 10, hein. On n'a pas un power 50. Mais pourquoi il y a un dragon? Ah, il est là. Tu sais que tu vas dérouiller, mec, hein. Encore une fois. Hein. Ah, je pense que s'il me tape, elle s'y... Oh, attendez! Je le tape pas, il mourrait. Ah, trop bien. Ok, il est en train de descendre. On va le laisser se tuer directement, voilà, en me tapant. Allez, tiens, prends-toi ça dans la face. Je le touche pas. Yes. Nickel, c'est trop bien. En vrai, on l'avait jamais fait comme ça, je crois, hein, sans vraiment le taper directement. Ouais. Aïe, je suis où? Oh, ouais, je suis rentré dans le portail, comment j'ai fait? Eh bien voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En vrai, c'était vachement intéressant d'avoir un petit peu les minerais qui venaient comme ça, avoir une chance de pop en super. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées un petit peu pour changer et faire que les minerais soient différents. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez un UHC peut-être avec vous, la communauté, n'hésitez pas à atteindre les 20 000 pouces bleus sur cette vidéo et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Nous, en tout cas, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. We'll be right back.